Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Call of Duty Premier Nom. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dessus. Et nous voilà dessus, on est à bord d'un T-34-85, toujours avec les Russes. Et on n'est pas loin de la fin du jeu. Enfin, il va falloir aller quand même à Berlin, mais je vais essayer de quand même de rusher la fin. C'est vrai que ça a un peu duré. Et je ne vois rien du tout. J'espère que vous avez tous et toutes été très 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 bien. Alors déjà, j'ai pas pu avoir fait la suite dernièrement, c'est que j'ai été pas mal occupé. Et après, j'ai un peu privilégié les Total War. Oh putain. C'est le bordel là. On va où ? T'es mort toi? Il est en train de se faire tous les chars l'autre. Par contre, la galère pour contrôler ce char. Oh putain, il m'a fait mal lui. Oh là là, c'est la galère à contrôler. Oh oh. Oh merde. Oh merde. Attends, je suis en première ligne. Voilà. Ah putain, j'ai crevé moi. Wouh. Canon 88. Là où il y a une DCA. Allez, pression. Ouais bah attends, je nettoie la zone déjà. Il y a des chars là-haut. Qui me tire dessus? Là. Là. Je sais pas s'il est détruisable le canon d'essai parce que je tire dessus depuis tout à l'heure, mais après avoir vu. Les mecs ils font des grands détours. D'ailleurs je suis tout seul ou... Ouais, je suis tout seul, c'est super. Le mec... Je suis sûr qu'on va rencontrer un tigre. Je le sens gros comme un camion. Ou comme un tigre. Ah mais... Voilà. C'est quoi que je dois faire? C'est bon. Niveau suivant. Ok. Depuis juin 1944, les Alliés ont considérablement progressé en Europe et nettoyé la majeure partie de la France, de la Belgique et de la Hollande jusqu'aux rives du Rhin. Cette réussite,
Ils la doivent pour beaucoup aux Russes, qui pendant l'hiver 1943 à Stalingrad ont détruit nombre des meilleures divisions de blindés allemands. Sur le front de l'Est, les Russes continuent de repousser les Allemands qui ont désormais abandonné la Russie et une grande partie de la Pologne et qui se retrouveront bientôt sur la rive de l'Oder et la frontière allemande. Les Allemands sont maintenant dans une situation désespérée. Les bombardiers alliés ont réduit les principales villes allemandes en champs de ruines. L'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, n'est plus que l'ombre d'elle-même et ne peut plus guère arrêter les bombardiers et encore moins attaquer les troupes alliées. La majorité de la Kriegsmarine a été coulée. Ses sous-marins sont détruits et ses marins sont transférés dans l'armée de terre. Pourtant, l'ennemi refuse de capituler. Impuissant à arrêter l'avance des alliés, Hitler se rabat sur les armes de représailles. D'abord les V1, puis les fusées V2. Bien que comptant parmi les armes les plus perfectionnées, ces fusées ne sont pas assez précises pour frapper des objectifs militaires G11-56. Mais elles sont utilisées pour répandre la terreur sur Londres. Enfin, sur Londres, c'est pas la première cible qui a été par ces machines. Alors, quelques semaines, l'ennemi a fait percer dans nos lignes une... Ah oui, c'est les abattés des Ardennes. Et la 101e a dû occuper principalement, précipitamment, la ville de Bastogne. Donc, on est toujours à Bastogne, encerclé de tous les côtés. En gros, c'est une catastrophe. On est retroussé dans un bunker allemand, capturé, appelé Festung. Rocogne, l'ennemi en a encore deux de l'autre côté de la corniche. Entre eux et nous, des champs de mines, une rivière glacée et un pont. Au moins deux camions allemands sont pointés sur nous. Deux canons. Ok, mais on attaque les bunkers aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux visages dans les tranchées ce jour-ci et j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'autres à venir. Ok. Nord-est de Bastogne, Belgique. Messieurs, nous avons déjà combattu un bon paquet de ces... Donc vous savez ce qu'il faut faire. Mais je vais me répéter. Bougez-vous, couvrez vos équipiers, gardez vos distances et ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint ces bunkers. C'était ça, c'était une map multijoueur. Oh, j'adorais cette map-là. Oh putain, il y a des mines. Oh, je vais par là. Hein. Ok. Ah, non. Je suis content qu'il y avait des batailles des Ardennes dans le jeu. Aïe. Je me suis pris un obus sur le crâne. Avance. Ok. Ouh, la belle balle. Il n'y a pas un mec là? Si, il y a un mec. Il y a un mec, il est mort. Ok. On est bon. Il y a canon 88 qui tire là. Oh pardon, 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 pardon. Hop. Oh, les Panthers fausses. Ok. Oh, des plans. Par contre... Non, on va pas prendre le Panzerfaust. Je sais plus si ça va servir vraiment quelque chose. Je
crois qu'on va passer par au-dessus. Il y a un canon au-dessus, non? De mémoire. Non mais les mecs... Y'a pas de la vie quelque part là? Et l'autre canon il est derrière l'autre bunker. Ouf. Ah oui d'accord. Je vois, il n'y a rien du tout avec la... Oh non! Vous êtes sérieux là? Bon. Oui. Ouais, putain, faut que je sauvegarde le truc quoi. Ça, je suis étonné qu'il n'y a pas de point de sauvegarde aussi... Oui, par où? Par là. Aïe, aïe. Aïe. Il avance. J'ai perdu mes jambes. C'est le bar qu'il me faudrait là. Ça serait bien ça. Excusez-moi. Ah, de la vie. Alors, attendez. Voilà, toi tu rentres chez toi. Et... Le mec avec un pistolet, il a réussi à m'avoir. Toi aussi. T'es mouru? T'es mouru. Oui, c'est intelligent, hein, ne partez pas vers les MJ. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Sympa, merci. Oh putain. Ça fait peur ce con. Ouh. Bon. Non là-haut. Non, passez pas par là. Mais pas passez pas par là. Ici. Non mais les mecs... Voilà. Ouh. Ouf. Oh, je les ai tous eu, quoi. Bon, on va... Attendez, on va sauvegarder parce que ça m'énerve. Si je meurs, on va recommencer tout, là, tout là-bas. On se part là. On va lancer quelques grenades. Ouf. Ça fait mal. Je les ai... Oh, il y a des formes de info. Je crois qu'il y a un char qui va se ramener. Martine, le bunker est à vous. Oh, merci. Ouais, c'est ça. J'adore entendre les...
Qu'est-ce qui se passe de votre côté? On entend des coups de feu. Non mais non. On est en train de tester des armes, c'est tout. Oh! Bouge-toi, bouge-toi! Ok, pas par là. Allez, tourne! Recharge! D'accord. J'ai dû recharger. Ah, c'est moi qui ai tiré comme un con dessus. Merde! Abruti! Vite, t'es pas de Faust. Ah! Putain, poussez-vous! Et je suis mort! Ouais! Oh, ok, ça. Excusez-moi. Attendez. C'est quoi déjà la crosse? Qu'est-ce que c'est de la crosse? Non. J'avais pas la crosse quelque part. Hein. Bon, bah... Ok. J'avais pas la crosse. Ça, je me rappelle jamais du bouton pour taper. Ah là, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok, bon bah, il y a la croche quelque part. Oui, chef. La recharge. Beau boulot sur ces blindés. Soldat Martin, vous pouvez être fier de vous. Je n'arrive pas à y croire. On a réussi. Trop facile. Ou pas. On va retourner avec les Anglais là. On fait, je crois qu'on fait une mission avec Américains, Anglais. Et ensuite, on retourne avec les Russes pour prendre Berlin. Et là je crois que c'est ouais, c'est la base des V2. Localiser et détruire la base de lancement des fusées V2 à proximité de Burgstenfurt, nord-est de l'Allemagne, éliminer défense antiaérienne, empêchant les Alliés de localiser des convois de lancement supplémentaires. Ok, bon. L'Allemagne. Très bien. Evans, on prend vers l'est en détruisant toutes les cibles qui se présentent. Ensuite, on retrouve le reste de l'équipe à l'endroit prévu. Vous avancez, je vous couvre avec la brèche. Les flaques Verling, il en reste deux. Ok. Merde. Ah, j'ai une Sten. Ah, mais c'est qui? J'ai un K98, j'avais pas en marre. J'en ai des STG44 les salons. Ils font mal hein. Monte-moi ta tête.
Ah ouf, putain, ils font mal avec leur HTG-44. Hein. C'est des snipers, les gars. Est-ce que quelqu'un a de la vie pour moi, s'il vous plaît? Là, 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 là. Attends, on va dans le bunker, ça se trouve il y a des trucs intéressants. Comme des grenades. Là. Oups. Allez, tête. Ah non, non, je suis bloqué. Il me reste une balle. Allez pour toi. Ouais non. Attends deux secondes. Ah l'enfoiré. Ok, je l'ai eu. Et il y a encore un mec. Il y avait un mec. Bon. Ben dis donc. Aïe. Il tire sur quoi l'autre là? Là. Aïe. Stop. Violent. C'est toi qui nous fait de la misère avec ta MG. Le mec il part devant, attends-moi. J'étais pressé mais quand même. Il y a un mec qui s'est tiré là-bas. Joli tir. Là. Oh mais je sais pas où ils sont. Ah, il y a encore un vivant là. Bon bah première vue on a nettoyé la zone. Ouf. Non on n'a pas nettoyé la zone. Ok, désolé, je suis concentré, donc je parle pas beaucoup. Bien joué, Evans.
C'était du grand art. Ah oh putain, il y a toute la famille. Ronald. Le mec qui parle à souris. Ah ah mais d'accord, ils sont sortis du bunker ici. Ok, il y a de la vie, c'est déjà pas mal. Mine. Ok. Je suis bloqué. Je parie qu'il y a plein de mecs qui vont arriver. Non ? Bon. Les mecs, ils ont juste à tirer dessus, ils explosent. C'était facile ça par contre. On est bien, allez, go, go. J'espère que ouais, c'est sauvegardé. Suivez-moi, c'est par là. On va faire comme dans Minecraft, je vais sauter pour avancer plus vite. Je ne sais pas viser. De toute façon, j'ai plus que 3 balles, bon, ça c'est fait. Hein. Bon, on va changer les armes. Hein. Je pensais pas qu'il allait m'avoir là. Ils sont morts ? Aux abris ! Ils sont morts. Sur quoi? Ah sur ça! Oh la vache! Ah, je la vois pas du tout. Ah oui, je me souviens de cette map. C'était aussi une map multijoueur ça. Voilà, j'ai utilisé mes 3 dernières balles. Normalement il y a une entrée un peu... sur le côté là-haut. Et en fait, faut passer par là, je crois. On passe par là et on peut atteindre une entrée. Oui, bien sûr, j'en foutu. Ouais, par là. Il y a une entrée secrète là. Oh putain. Mais tu meurs pas toi? Et hop. Ah normalement on peut rentrer par là. Bon.
Aïe 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 aïe. C'est où les copains? Oh l'enfoiré, t'es derrière moi. Oh sérieux là, non. Je ne veux pas. D'ailleurs là, la dernière fois je vous parlais des bunkers. La dernière fois. Je vous avais déjà parlé des bunkers, des différents types de modèles de bunkers. Et ce qu'on voit ici, c'est un parfait exemple des bunkers avec les ouvertures avec en escalier pour empêcher les, en fait c'est pour empêcher les grenades en fait. Qu'on lance des grenades vers l'ouverture, c'est beaucoup plus compliqué, il faut vraiment être très très proche pour pouvoir tirer dedans. Parce que c'est fait pour que les, bah en fait les, pour rebondir. C'est bon. De toute façon je vais vous montrer ça, vous allez voir. Je dois passer par où alors? Je crois que je veux passer par le camion en fait. Dégage toi, merci. Hop, tu passes ça. C'est bon, il y a un mec là. Il est mort? Il y a un gars juste derrière là aussi. Sors. Sors, sors. Prends la MG. Non. Non. Toi. Je peux pas lui donner des ordres. Je sais même plus comment on fait pour donner des ordres. Là-dessus. Bon, je sais pas. Bon, j'ai regardé 5 balles spray. Pas quand même me faire chier. Parce que normalement. Ok, je les ai marave. Evans, nous n'avons pas. Tun 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 tun. Moi je passe par en dessus comme ça. Yaha! Oh putain! Allez, entre. Ah non! Non, faut que je regarde derrière moi. Re! Bon, on se retrouve, je suis mort mais 36 000 fois ici. Donc je fais une coupure parce que là j'en ai ras-le-bol. Histoire que ça dure pas trop longtemps, enfin bon, que vous voyez pas recommencer 36 000 fois. Je vais trouver une astuce, c'était d'aller là, de faire ça, hop, on se baisse. Ouf, je l'ai eu. Alors c'est ça que je vous parlais
des ouvertures en escalier autour là, je sais pas comment on appelle ça. Ce qui empêche les grenades de... Enfin, c'était, ça avait été créé pour empêcher bah, en fait les lancers de grenades dans les ouvertures. C'est quand de loin, c'est très difficile. Et les grenades sont... en fait, c'est conçu pour que ça rebondisse dessus. Bien sûr, quand on est juste à côté, c'est plus facile. Hein. Bon, allez, comme dans Solarian. Le mec il a sauté dessus quoi. Bon j'aurais pu faire pareil. Ok, ils sont morts. Bon. Tout à l'heure, ils avaient tous des STG-44 et là, plus personne n'en a. C'est la fête. Putain non. Ouais, meurt. Oh non, non, non. Ah. Oh là, j'avais bien réussi. Bon, la dernière tentative. Oh, j'hallucine. Merde, 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 mine. Okay. Avec moi celui-là. Ah. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Eh bah, peut dire, j'en ai chié pour celle-là. Hein. Bon. Voilà, on va... On va sauvegarder parce que j'en ai un peu ma claque de le recommencer 36 fois. Mais non, mais non, mais non. Mais ils font quoi les hommes derrière moi? Ils ne me protègent pas, c'est ça? Attends, tu vas voir. J'ai une petite surprise pour vous là.
Ah, ça leur a fait les pieds. Oh oh. Ah bon, tout le monde est mort ici? Bon. Non, faut descendre en bas. Oh, je t'ai vu toi. T'es enfoiré. Et personne vient m'aider. Ah oui, ça c'est chiant en plus. Il m'a fait peur lui. Oh là 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 là. Il a découpé une grenade ou c'est moi? Ok. Il en reste 3, faut passer par où? Normalement il... Ouais. Bon bah Faut qu'il faut ressortir. Ils ont pas des lance-roquettes, ils balancent ça dessus. On en parle plus. Ah. Eh oui. Vous sentez les mecs qui vont me rocher dessus. Wow. Il y a encore un mec là-dedans, là. Et ce bunker, on l'a pas fait. Nazis commandos. Bonjour. Et on se tire, on se tire, on se tire. Je crois qu'il faut aller là-dedans, c'est ça. Oh, cette porte, elle vient de s'ouvrir. Magnifique. C'est la fin. On a réussi. Oui, enfin. Punaise. Je dois refaire des montages à la con pour tout couper. Ok, bon. Bon, on va se laisser ici. Parce que, voilà. Vidéo trop longue, après là on est en plein Berlin pour aller capturer le Reichstag et compagnie. Donc je pense que la prochaine fois ce serait peut-être la dernière vidéo. Enfin, si je galère pas pendant 30 ans. Et ensuite, normalement il restera le... comment ça s'appelle? L'extension de Call of Duty. Je me rappelle plus le nom qu'il a. Et je l'ai jamais fait en plus, donc...
On découvrira ça ensemble. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très très vite sur Call of. Et je vous dis à tous une bonne semaine. Allez, ciao tout le monde.